ça fait du bien. Ça doit être quoi le renfort? Je crois que je préfère les petits modèles. Bon, on peut pas nier qu'ils font des progrès. Eh, hey, je suis sûr que je préfère les petits modèles. Bon, on peut pas nier qu'ils font des progrès. Eh, hey, je suis sûr que je préfère les petits modèles. Tout en douceur. Je viens de réaliser que tout le DUP a des pouvoirs de béton, c'est ça? Alors t'as qu'à en drainer un et puis on rentre tous à la maison. Et si ça marche pas, eh ben, on dira que t'avais tort et on rentre quand même à la maison. Et toi, mon gros-père? Ah, merde. Alors, ça a marché? Pas le temps de vérifier, vieux. J'ai le DUP qui m'encercle de partout! Mais alors fous le camp de là! Ouais, c'est un bon conseil! D'accord, j'ai horreur de ça, mais. Super pote en bleu, ils auraient pas entendu parler de ces relais de noyau? Ouais, bah apparemment ils en ont posé dans toute la ville. La police de Seattle les surveille tout le temps parce que le DUP veut pas leur dire à quoi ça sert. Donc, tu pourrais me dire où ils se trouvent tous? Oui, comme je te l'ai dit. Cool, faut que t'envoies les emplacements sur mon mobile. Pour que tu leur extorques quelques pouvoirs de plus? Non, oublie ça. Waouh, mon propre frère veut que je combatte le méga giga bioterroriste qui fout les jetons, mais tout ça avec moins de pouvoir. Hé, j'ai pas non plus dit ça. Bon, faudrait pas non plus les vexer. Faut mieux filer tout droit chez les jetons et qu'on en finisse une bonne fois. Mais je sais pas trop ce qui va se passer. D'accord, d'accord, j'ai pigé. Écoute, toi, tu restes bien loin d'Augustine. Et je t'enverrai tout ce que je peux. Merci, Edge. T'es le meilleur frangin du monde. Non. Le meilleur frangin du monde, lui, t'aurait mis à l'ombre à Salmon Bay
Wow. Pas sûr qu'un placard cache un porteur longtemps, mais j'apprécie que t'aies envie de m'enfermer. C'est parfait, ça. Par la gueule! Qu'est-ce que ça veut dire?
Reggie, il faut que tu vois ça. Le DUP a complètement ravagé la ville. Et tous les habitants courbent les chines et marchent comme s'ils avaient peur de leur ombre. Ouais, c'est le principe de la loi martiale. Tu contrôles la ville et le peuple en commençant par les briser. Ouais. Bah, les envahisseurs, ça craint. Ça, tu devrais peut-être pas le dire à haute voix.
Pratique. Hey Reggie, tu sais ces relais de noyaux qu'on a vus en venant? Ils ont dû être explosés avec toutes ces bêtises. Celui-ci est bien scellé. Doute fort que le DUP te laisse emprunter les clés, alors tu vas devoir forcer l'ouverture. Quel bol que j'ai ces nouveaux pouvoirs destructeurs bien démons. Je sens que ça va être génial. Faites gaffe en dessous! Pas mal, hein? Je le refais une petite fois? Zut 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 z
Analyse. Eh ouais, toujours porteur. Ah, un peu dur. Sans rire, Iceman. Est-ce que le DUP a recruté toute la ville? En tout cas, n'oublions pas que tu gardes l'avantage du nombre. Hein, Frangin? Tu calcules ça comment? Parce qu'un mec seul est beaucoup plus rapide, léger et discret. Et puis comme ça, ils te sous-estimeront. Ils vont avoir une sacrée surprise. Tu veux me rendre service et leur expliquer ça? Peut-être qu'ils renonceront? Hein? Et gâcher la surprise au dernier moment? C'est pas faux. De contrôle et des caméras à peu près dans tous les coins. Ça, c'est l'avantage indéniable de jouer à domicile. Sauf que c'est même pas leur domicile. À quelle heure dire ça? Mortel! Ok, donc par là, c'est pas une option. Il faut que ça marche. C'était trop bon! Ça marche, putain! Thank you.